Story time, je me suis fait voler le coffre de mon Kangoo. Ça s'est passé il y a à peu près 6 mois, donc c'était cet été. On est en pleine journée, il est 14h, je vais aller me baigner et aller à la salle. Je me gare, je sors de la voiture, je marche un petit peu. Et là, je me dis, vas-y, je vais vérifier si je l'ai fermé. Je fais demi-tour, je ferme la bagnole à clé. Donc je suis sûr que je l'ai fermé à clé, tu vois, c'est pas de ma faute. Bref, ensuite, je vais me baigner, je vais à la salle, tout ça. Ensuite, je reviens et là, je vois une carte Basic Fit par terre. Je vais la ramasser, je la ramasse. Là, je me rends compte en fait que c'est la mienne. Et là, je me dis, putain, mais je suis con, je l'ai fait tomber et tout. Et là, je me retourne. Non, attends, je vais te montrer, c'est trop une dinguerie. Faut vraiment que tu vois ça. Tu vois, mon coffre, il est ouvert comme ça. J'ai bien compris que je m'étais fait cambrioler. T'es mal à serrure, je l'ai toujours pas réparé, il me l'a bien niqué. Non, mais le pire, c'est quand j'imagine le cambrioleur qui se dit, ouais, il a un Kangoo, c'est un mec du bâtiment, hein, c'est sûr qu'il a du matos de ouf. Des machines à 1000 balles, je vais m'en mettre plein les poches et tout, ça va être trop cool. Il a dû être refait quand il a réussi à ouvrir. Sauf que la dinguerie dans l'histoire, c'est que mon coffre, dedans, il n'y a pas du matos. Je te montre la POV du cambrioleur. Je suis un cambrioleur. Je vais le cambrioler. What the fuck, brother? C'est qui ce mec? Il est déglingué ou quoi? Il est complètement taré, ce mec. Ah, en fait, c'est confortable ici. Bon, je vais juste voler le sac. Oh, le gars, la réaction qu'il a dû avoir, ça devait être tellement drôle. Il a tellement dû bugger, il s'est dit, mais c'est qui ce fou? De sûr, il a dû me prendre pour un psychopathe. Bon, en vérité, je me suis quand même fait voler des AirPods, tout ça. Quand même un petit peu de matos. Je vous mets la suite de la story time en description.